À la source du canal coule une rivière. Et cette rivière s'appelle l'Alzo. C'est ici, au sommet de la montagne Noire, à l'extrême sud du massif central, que tout débute. C'est ici, à la prise d'Alzo, dans un décor qui tient du Vosgien ou de l'Autrichien, que naît paradoxalement le canal du Midi. Pour aller alimenter le bief de partage, c'est-à-dire le point le plus haut du canal, à Norouze, Riquet et les bâtisseurs du XVIIe siècle ont imaginé de regrouper une par une toutes ces rivières fraîches qui font de la montagne Noire un véritable château d'eau. Longtemps, le précieux liquide, rassemblé en une rigole virevoltante, va hésiter entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est qu'il lui faut venir se déverser sur l'exacte ligne de partage des eaux, à Norouze, afin de dégouliner sur les deux versants à la fois. Sur 30 km de la prise d'Alzo jusqu'aux environs de la petite ville de Revel, la rigole de la montagne va suivre son chemin, dérivé vers l'étroite vallée du Sor, ou via la spectaculaire percée des Camazes dans le bassin de Saint-Ferréol. À Saint-Ferréol fut édifié, à partir de 1667, le plus grand barrage masse d'Europe. Rendez-vous compte, 6 millions de mètres cubes, la contenance du canal du Midi. Par la rigole de la plaine, ce trésor liquide va sillonner la plaine, saluer Saint-Félix de Lauragais au pieux souvenir cathare. Vite, l'eau a rendez-vous à Norouze. Mais pour les mariniers que nous sommes, loin de la montagne Noire, c'est à Toulouse que commence le grand voyage. Toulouse, fille de Garonne, d'où démarre le chemin liquide qui court jusqu'à Sète, ou peut-être Narbonne. Toulouse, confluence des voies d'eau du Sud. Ici, au bassin de l'embouchure, voici à gauche le canal latéral qui descend à Bordeaux. Le canal du Midi, lui, s'engouffre sous cette arche, laissant à droite le court canal de Brienne qui s'unit à la Garonne au pont Saint-Pierre. Entre les deux, ce bas-relief de marbre de Carrare, où le sculpteur Lucas symbolise en 1775 la jonction des deux mers. Neptune, la fertilité, l'abondance, dernier chant élégie d'un régime que l'histoire emportera bientôt. Escorté par le platane, le canal du Midi s'enroule autour de Toulouse, délimite ses faubourgs. Voici les Minimes, ce quartier d'où Nougaro chante l'eau verte. Au loin se dresse le clocher de Saint-Cernin, l'émouvante basilique romane. Puis Matabio, gare au nom de campagne, et ces rues qui entraînent le passant vers un Toulouse grouillant, intime et coloré. On a souvent comparé la Toulouse à la Toscane, je crois que c'était vrai. Quand on dit qu'on prétend que Virgile est venu à Toulouse, et depuis les coteaux toulousains, a écrit des poésies ici, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est un côté extrêmement latin, extrêmement, et en même temps démocratique et tolérant. Toujours pareil parce que c'est le passage qui fait ça. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Or ici, tout le monde a connu tout. Dans cette région, y compris les guerres de religion, tout, absolument tout. On parle beaucoup de la route de la soie en Asie, grand centre de marché, Marco Polo et autres. On oublie qu'ici, il y avait la route de l'étain, et que Toulouse était au cœur de la route de l'étain. Or, l'étain était essentiel autrefois pour faire le bronze. C'était l'industrie d'armement. L'étain, la base de l'étain était à l'île britannique. Ça passait en Bretagne, ça descendait le long de la côte vendéenne, si j'ose dire, et ça prenait la Garonne. Et Toulouse était un centre de l'étain. Toulouse, sur le Tarn, rendit un hommage presque fortuit au constructeur du canal du Midi. La statue de Pierre-Paul Riquet tourne le dos à l'ouvrage qui glisse dans sa tranchée sur le souvenir des ports Saint-Étienne et Saint-Sauveur. Avant de quitter Toulouse, le canal salue son avenir, la cité nouvelle où fusées, satellites et avions décollent de la tête des chercheurs. Le CNES, super-héros, cité de matière grise.
Ramonville-Saint-Agne ne se souvient plus guère qu'elle porte le nom d'un comte de Toulouse. Mais elle abrite une marina, Port Sud, qui s'évade de la banlieue en compagnie de magnifiques embarcations. Passée l'écluse de Castanet puis celle de Vic, la voie d'eau s'engouffre dans le Lauragais, masquée par une double haie de platanes. Lauragais de Labour, où rompant la monotonie de la plaine céréalière, vont fleurir les moulins et les pigeonniers. Lauragais qui tira jadis sa prospérité de l'or bleu du pastel. Lauragais irrigué, enrichi encore par l'eau du canal du Midi. À l'époque de la barque de poste qui transportait les voyageurs de Toulouse à Agde, la voie d'eau était parsemée de dîners et de couchers. Ainsi l'écluse de Négras où l'on se restaurait avant de dormir, où les écuries fournissaient des chevaux frais pour poursuivre le halage, où l'on pouvait même prier dans cette petite chapelle. Un léger détour pour aller admirer l'étonnant village de Saint-Rome. Autour de l'ancien château du marquis de la Panouse s'organise une pléthore de bâtiments agricoles, de communs et d'habitations ouvrières qui frappent l'imagination. Éclectisme des styles. De la maison toulousaine à la demeure flamande, rhénane ou scandinave, en passant par des moucharabiers d'inspiration mauresque, le tout augmenté d'un soupçon d'influence médiévale et enluminé de rouge brique. Ne vous y trompez pas. Sous une apparence paisible, un canal réclame de nombreux exploits. Et c'est justement pour préserver la tranquillité de la voie d'eau qu'il a fallu édifier des monuments d'architecture tels que l'aqueduc de Lers. Le canal du Midi doit maintenant grimper jusqu'à son sommet, le col de Norouze. Il entrevoit au passage Avignonnet-Lauragais. Dans ce village perché, deux inquisiteurs firent les frais de la colère occitane. C'était à la fin du mois de mai 1242, bien après la croisade. Les dominicains quadrillaient la région, suscitant la délation, questionnant, torturant, ce qui était souvent la même chose, brûlant, détruisant toute trace vivante ou morte de l'hérésie. Un des leurs, Guillaume Ardon, escorté d'un franciscain et de leur bureaucratie inquisitoriale, traquait le cathare à Avignonnet. C'est lui que visèrent une troupe de chevaliers descendus de Montségur. Le dominicain et ses sbires furent massacrés, leur sinistre registre détruit. Ultime sursaut de résistance, Montségur tomba le 16 mars 1244 et à nouveau, l'embrulade du Qatar. Changement d'époque, après le Moyen-Âge, le canal du Midi croise le XXe siècle. Port-Lauragais, point de convergence de la voie d'eau et de l'autoroute. Puis le bruit des voitures s'efface. Voici venir le cœur de l'ouvrage. L'écluse de l'océan marque le début du bief de partage. C'est pas un travail pour une femme, ça? Oh, c'est une écluse, oui. C'est une écluse de femme. Pourquoi? Elle est bien entretenue et elle est assez facile. Norouze, point culminant du canal du Midi. Norouze et ses longues allées de platanes. Norouze et sa modeste maison du garde, où fut signé l'armistice entre le maréchal d'Empire Soult et le général anglais Wellington, le 18 avril 1814. Norouze, où Pierre-Paul Riquet, dans sa soif de grandeur, rêvait d'édifier une ville nouvelle. Norouze, où au flanc de son moulin aboutit la rigole. Cette rigole chargée de la fraîcheur des sources de la montagne noire. L'eau fait ici figure de moteur du canal, de carburant de ce chemin qui marche. C'est dans le bief de partage
que l'eau de la Rigole vient hésiter entre l'Atlantique et la Méditerranée. Notre voyage nous fait poursuivre vers la mer et le charmant petit village du Ségala. Au canal, une chose extraordinaire que les gens ne connaissaient pas et qu'on ne publie pas parce qu'ils se faisaient de la contrebande à l'époque. Alors je vous parle de très longtemps, je vous parle de 1914. Il y avait je vous ai dit qu'il y avait des bateaux qui portaient du vin. Hein? Oui. Et dans les campagnes, soit que les bateliers, quand ils faisaient le plein, en prenaient avantage, ou comment ça se passait, je n'en sais rien. De toute manière, dans les cluses, la nuit, ils vendaient du vin. Et alors les paysans appelaient ça le vin de lune. Ça, personne ne le sait, personne ne le dit. Ils appelaient ça le vin de lune. C'était du vin de contrebande. Passé le seuil de Norouze, le canal du Midi doit désormais redescendre vers la mer. Et déjà, la Méditerranée lui envoie un signal. La végétation se réchauffe. Dès l'écluse de la Planque, se dessinent à l'horizon les faubourgs de Castelnaudary. Depuis Norouze, le canal du Midi chemine dans l'Aude et le Languedoc-Roussillon. C'est ici, à la Bastide d'Anjou, à quelques kilomètres de la capitale du Lauragais, que le cassoulet de Castelnaudary nous livre ses secrets. Nous avons un chaudron de haricots de Vendée qui est le meilleur, puisqu'ils viennent des terrains sablonneux, comme ils étaient cultivés à Pamiers. Et ensuite, un tas de choses, bien sûr, qui sont du pays aussi, de la région. C'est le confit de canard, c'est la saucisse de Castelnaudary, c'est le jarret de porc qui est fait à Castelnaudary aussi. Ensuite, pour assaisonner tout ça, il faut un brin de thym, de l'ail qui est un ail formidable maintenant, puisqu'il vient avec la sécheresse, cette année il va être encore meilleur. Des oignons de qualité, du gros sel bien sûr, le gros sel, vous savez que le sel fin contient le sodium, alors du gros sel, du poivre, du moulin. Ensuite, alors vous commencez par faire tremper vos haricots. Maintenant, vous faites tremper les haricots pendant 4 heures maximum. Quand vous avez cuit vos haricots, qui sont salés, alors vous avez mis l'eau de jambon, le lard, vous mettez un oignon, il est par là. Il faut le faire cuire 3 fois, alors 3 heures. Alors on appuie dessus, on coupe la croûte, on casse la croûte, on appelle ça, un terme de cuisine, on casse la croûte, on remouille avec du bouillon qui vous appuie des os, ou on cuit des os de jambon avec un oignon, voyez-vous. Vous le recassez, vous voyez, je vais le repasser maintenant, donc je vais recasser la croûte ici, le remouiller, le décoller, le remouiller, réaplatir, et je vais le passer au four, ce qui va donner ceci. Il commence à blanchir, les bulles commencent à être blanches, vous voyez, ça fait exactement comme un volcan, un petit volcan La dernière opération, c'est de mettre, avant de le servir sur table, de parsemer dessus du poivre du moulin, bien sûr. C'est chacun a sa recette personnelle. Et il y en a 3, et c'est Carcassonne, Castelnaudary et Toulouse. Mais la naissance du cassoulet vient de Castelnaudary. De Castelnaudary, c'était en 1630. Castelnaudary, c'est une première respiration dans le canal parce que c'est un grand bassin. Et on a d'un seul coup, alors qu'on était relativement confiné, on était serré entre des platanes depuis Toulouse, on se retrouve d'un seul coup avec une grande bouffée d'oxygène qui est le bassin de Castelnaudary, qui est quelque chose de très très important par la taille, mais important aussi pour l'alimentation du canal parce que c'est un des réservoirs qui permet notamment d'assurer un bon approvisionnement en eau des écluses de Saint-Roch qui sont quadruples et qui se trouvent juste à l'extrémité orientale du bassin. Castelnaudary offre d'abord une belle enfilade de ponts.
le pont Neuf. Cette barre de pierre et de briques, dans la classique lignée architecturale des ponts de grand chemin de l'Ancien Régime, a été jetée sur le canal en 1802. Immédiatement après cet ouvrage, s'ouvre le port. C'est ici que s'arrêtait la mise en eau du tronçon de Toulouse à Castelnaudary dans les années 1670. Là, on est dans l'ancien port de Castelnaudary. Ici, on a échangé des quintaux, des milliers, des dizaines de milliers de quintaux de blé. Puis se dresse le pont vieux. Sa voûte en plein cintre et son tablier au dos d'âne, extrêmement prononcé, trahissent son âge. Édifié au XVIIe siècle, il ne rechigne pas à supporter la circulation automobile. Le pont vieux marque également l'entrée sur le grand bassin, dont l'ovale mesure 400 mètres de long pour 300 de large. Castelnaudary est aujourd'hui devenue une des capitales de la plaisance. Une puissante et pacifique armada bleue et blanche est amarrée ici une bonne partie de l'année. Mais avant de quitter la ville, le navigateur sait qu'un gros morceau l'attend, l'écluse de Saint-Roch. Quatre bassins superposés qui constituent un ouvrage majeur du canal du Midi, avec le franchissement d'une hauteur de près de 9,50 m. La forte chute d'eau provoquée par cette importante dénivellation servait d'ailleurs autrefois à mouvoir de grands moulins, transformés en minoterie. Le canal du Midi quitte alors Castelnaudary, en compagnie d'un couple de navigateurs anglais. My name's John McDonald and my wife is Pat. Come out here. Je m'appelle John McDonald et voici ma femme, Pat. Nous venons d'Essex, en Angleterre, et nous sommes à la retraite depuis le mois de juin. Le 30 juillet, nous avons quitté le port d'Harwich. Nous avons d'abord longé les côtes britanniques, puis traversé la Manche jusqu'à Cherbourg, puis Guernesey. On a fait les côtes et les îles bretonnes avant de continuer par La Rochelle et Royan. Ensuite, nous sommes rentrés dans l'estuaire de la Garonne à Bordeaux. Là, nous avons franchi l'écluse de Castex pour rejoindre le canal latéral et monter jusqu'ici. Outre ces plates bandes, l'écluse du Vivier possède la dernière minoterie encore en marche sur la voie d'eau. Témoignage de l'art du petit peuple du canal d'autrefois, des fresques naïves ornent la façade de l'écluse, dite de la criminelle. Peu à peu, alors que défilent Villepinte et Villesèque, le blé et le maïs vont céder du terrain face à la vigne. Voici que le canal du Midi aborde les côtes de la Malpère au sud, puis le Cabardès au nord. Limoux n'est pas très loin non plus. Bienvenue sur la terre du vin. Carcassonne approche, comme une évidence. Le canal du Midi l'évita pourtant à sa construction. Ses élus n'avaient pas voulu engager de frais pour financer les travaux que nécessitait son passage dans la ville. Du coup, il fallut attendre le début du 19e siècle pour que la Bévue soit réparée. Désormais, la voie d'eau passe à Carcassonne, où elle côtoie la gare de chemin de fer, sa terrible concurrente au pont Marengo. Mais si le canal traverse la ville basse, c'est en hauteur que se dresse le véritable phare qui balise le trajet de Toulouse à Sète, la cité de Carcassonne. Plus de 20 siècles d'histoire réunis derrière ses murailles. Entièrement fortifiée, la cité de Carcassonne forme l'ensemble le plus complet de l'architecture militaire du Moyen-Âge français. Ce monument exceptionnel a rejoint en 1997 le canal du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement doit beaucoup à la longue campagne de restauration conduite au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, l'un des fondateurs de la science moderne de conservation des sites. I'm coming from Austria, Vienna. Je suis de Vienne, en Autriche.
C'est votre première fois sur un canal? Non, c'est la deuxième. Mais on est déjà venu en France une bonne douzaine de fois, mais pas ici. Ici, c'est notre deuxième séjour. Un monument d'architecture encore, alors que le canal du Midi quitte Carcassonne et sa cité, le pont-canal du Fresquel. Il s'agit d'enjamber cette rivière qui nous suit depuis Norouze et s'en va à un kilomètre plus bas se jeter dans l'Aude. Les écluses du Fresquel sont accolées à cet ouvrage monumental, séparées par une sorte de grande baignoire de pierre. Le canal du Midi les quitte pour s'engouffrer à nouveau dans les platanes et bagnauder jusqu'à Trèbes. Le chemin de halage, tel les allées d'un jardin public, mène au pont-canal de Vauban. Il enjambe l'Orbiel qui dégouline de la montagne noire et marque l'entrée de Trèbes. Sous la pierre brune des anciens moulins, l'écluse de Trèbes joue l'escalier d'eau. Passé ces trois marches, le canal du Midi vogue en Minervois. L'Aude est à portée de fusil. 120 km se sont déjà écoulés depuis Toulouse, la moitié du voyage. Les écluses deviennent des refuges isolés, comme à l'Aiguille où se dressent des sculptures de fortune, troncs et branches arrachées au cru de la voie d'eau. C'est pas une écluse comme les autres parce qu'il y a des fleurs, il y a des statues. Et voilà. Il y a combien de sculptures? Ben, je ne sais pas exactement, il doit bien y en avoir 30, 40, peut-être plus, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire? Ben, il y en a quelques-unes qui sont. Des paroles de Brassens sont l'illustration de paroles de chansons de Brassens, puis d'autres sortent de mon imagination. C'est tout des sculptures en bois, du cyprès, du platane, enfin, ce que je trouve dans le canal ou qu'on trouve en hiver quand on élague les arbres. Quoi. Ben, j'en vends quelques-unes pour. Avec l'argent, je m'achète des outils pour sculpter, puis j'achète des fleurs pour décorer l'écluse, quoi. Et je m'autofinance un peu. Ah, en haut, vous avez un singe. Une chouette là-bas. Et vous avez l'homo sapien au bord de la route. La vigne, encore et toujours la vigne, qui a fait naître le quai de la Redorte. Ces bâtisses, ces chais, regorgeaient jadis de foudre et de muie. Ici, le portail d'un ancien tonnelier dont les outils sont symboliquement restés gravés dans la pierre. Profitons de cette halte pour écouter les villageois nous raconter quelques délicieuses anecdotes du temps jadis. Tu te souviens, Louis, la carpe de Vatifolk, elle était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après elle faisait 2000 livres à peu près, comme ça. Ah oui, maintenant que tu me la rappelles, je m'en rappelle bien. C'était Batifolk, c'était un pêcheur de carpe quand même, il en trouvait pas mal, hein, tu te rappelles? Oui. Et ce soir-là, il était très en retard, et c'était pratiquement nuit. Il n'avait pas d'épuisette pour lever sa carpe, il prétendait qu'elle était monumentale, et il est venu jusqu'à la maison voir si j'avais une épuisette et une pile, parce que lui, non, c'était au ras de la nuit, c'était presque nuit. J'y suis allé avec une pile, je n'avais pas d'épuisette, j'ai été avec une fourche pour lever la fameuse grosse carpe. Et quand nous avons été là-bas en train de la lever, comme le dit mon copain Henri, elle pesait au moins 2000 livres la carpe. Et là, ça a été un peu le. Ça a été une belle rigolade. Nous avons passé une très bonne soirée d'ailleurs. Voilà pour la carpe de Vatifolk. Mais en fait, c'était un très bon pêcheur Vatifolk. Il en avait trouvé. Oui, oui. Et un chasseur aussi d'ailleurs. Oui. Voilà. Juste après la Redorte, dans la courbe qui s'amorce, apparaît un édifice parmi les plus connus du canal du Midi, l'épanchoir de l'Argent Double, flanqué de son réservoir. Construit par Vauban en 1693, entre les aqueducs de Naval et de l'Argent Double, il avait pour vocation d'éliminer le trop-plein d'eau apporté dans le canal par les crues fréquentes de ces deux torrents. Parfaitement fonctionnel, l'épanchoir de l'Argent Double demeure également un bel exemple de cette architecture puissante de la fin du XVIIe siècle.
voici Homs, voisine de Lonzac, une des capitales du Minervois. Avant d'accueillir des vagues de plaisanciers, Homs a vu rouler sur ses quais des milliers de tonneaux de corbières et de minervois. Quai des négociants, lit-on d'ailleurs sur une plaque. La cité où s'installèrent les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem était un des ports de Lézignan. Au nord s'ouvre la route de Minerve, l'ancienne capitale dévastée par Simon de Montfort, qui alluma là un de ses trop nombreux bûchers. Perché à l'aplomb de la Cesse et du Briant, le nid d'aigle continue d'inspirer ce respect que l'on doit aux villes qui ont trop souffert. Sous les pins parasols, le canal du Midi quitte Homs et dévale l'écluse d'Ognon. Le méandre qui fait suite offre un havre de verdure où il fait bon s'arrêter. C'est vrai qu'il m'a fait un peu dans le coin de la route. C'est toi qui lèves là-bas? C'est ça, c'est la route. Il me fait le coin. Et Mimi? Moi, je viens de loin. Moi, je viens de l'Orde. Je ne suis pas de l'Hérault, moi. On voit beaucoup de touristes alors, vous dites. Oh là là, oui, des jolies femmes sur les bateaux, il y a. Ces messieurs se régalent. Ils voient les jolies. Ils viennent exprès d'ailleurs. Ils viennent exprès d'ailleurs pour voir les dames sur les bateaux. Mais elles sont en tenue légère. Ah oui, oui, bien sûr. C'est des petits canons. Un peu plus loin, le canal du Midi contourne une colline de beauté. Pêche Laurier. La colline aux lauriers piquée de cyprès, d'arbousiers et de myrtes. Il a fallu entailler ce roc poussiéreux pour frayer un passage à la voie d'eau. Déjà se dressent les tours d'Argence. Ici, le canal se lance dans une nouvelle aventure. 54 km sans écluse. Un seul bief sur la même courbe de niveau jusqu'aux portes de Béziers. Des files, cachées dans une végétation plus méditerranéenne que jamais, des villages au nom de Fandango, Rubia et son campanile, Paraza sur ses terrasses. Le canal du Midi s'enfonce ensuite dans une petite vallée évasée, celle du Répudre. Arrivé à ce point, le problème à résoudre pour les constructeurs du canal était de permettre à leur ouvrage de franchir le Répudre tout en le préservant des crues redoutables de ce cours d'eau qui s'en va 2 kilomètres plus bas, se jeter dans l'Aude. Face à un tel problème, Riquet fit construire un pont-canal impressionnant. La légende aidant, l'ouvrage du Répudre deviendra le premier du monde. Le canal se dirige vers Ventenac, en Minervois. Le château néogothique offre sa façade au canal, coopérative aux allures d'église, occultant les cylindres de ses cuves voilées de lierre, tour moderne de la foi vigneronne. La voie d'eau n'en finit pas de louvoyer entre les vignes basses. Sans la perspective d'une écluse proche, alors que le souvenir de la précédente s'évanouit dans les kilomètres parcourus, on a l'impression de s'abandonner au canal comme lui-même s'abandonne à ce relief alangui. Puis surgit le délicieux pont de Saint-Nazaire, modèle d'équilibre et d'harmonie avec sa pierre grisonnante. Combien de villages, de villes rêveraient d'une telle noblesse en leur centre pour enjamber leur rivière ou leur fleuve? Le canal s'élargit et accueille contre un quai de pierre de taille, abrité par des platanes, de nombreuses embarcations, péniches ou bateaux de plaisance. Au bout de ce port, dont l'agréable surcharge évoque les temps glorieux de la batellerie, apparaît le hameau du Sommeil. D'abord, ce pont étroit, presque triangulaire, tant son dos d'âne semble prononcé. Tout autour du pont vieux du Sommeil prend place un vaste ensemble de bâtiments d'époque destinés au service du canal et de ses utilisateurs en un temps où cet endroit tenait lieu de port à Narbonne. À droite, les écuries et l'hôtellerie, puisque l'on proposait ici coucher et dîner. À gauche, juste avant le pont, la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul complètent cet ensemble auquel s'adjoignent d'anciens chantiers navals. Der er ikke lyd på. Det kan jeg ikke forstå det.
le Somaï est devenu l'un des sites les plus courus, les plus touristiques du canal. Nous quittons l'escale obligée du Somaï en longeant une multitude de navires multicolores amarrés après le relais de poste. Deux kilomètres après le port, le canal passe sur l'aqueduc des Patias, déversant son torrent de cailloux accolé à une ancienne maison de garde. Quelques centaines de mètres plus loin, le magnifique aqueduc de Cès nous attend. L'initiateur de cet ouvrage, Sébastien Vauban, peut sans conteste être considéré comme l'autre grand homme du canal du Midi. Il confia en 1689 la construction de l'aqueduc à Jean Goudet, un maître maçon biterrois. La plaisance signe son retour avec le port de la Robine, installé dans un ancien bras du canal qui s'enfuit sur la gauche. Désormais, une décision s'impose car le voyageur est confronté à un carrefour de canaux. Il peut soit continuer sur l'authentique canal du Midi, soit gagner au plus vite la Méditerranée via Narbonne, les étangs de Bages, Sigean, l'Hérol et Port-la-Nouvelle. La deuxième solution implique de bifurquer à droite sur le canal de Jonction, aménagé à partir de 1781. Nous y reviendrons. L'embranchement ouvre vers Béziers sur une avenue liquide, à l'ombre chaude et parfumée des pins. Argeliers reste dans l'histoire comme la patrie de Marcelin Albert, le chef de file des révoltés viticoles de 1907. Souvenir des raisins de la colère, une stèle grise trône sur la place du village. Albert et ses compagnons de lutte ne pouvaient se douter que moins d'un siècle plus tard, le Languedoc ferait figure de vignoble d'avenir, surnommé la Californie française du vin. La voie d'eau, encaissée dans ses fossés, entre dans le département de l'Hérault. Ébloui par la lumière au sortir du tunnel feuillu, l'œil cligne devant le calcaire pâle du pont de Pigasse. Il s'agit d'un des ponts du 17e les mieux conservés, bâti en pierre de taille et en moellons de calcaire coquillé. Lorsque le canal pénètre par le pont de Cès dans le charmant petit port de Capestan, il a déjà parcouru près de 36 km depuis l'écluse d'Argence. Des bateaux prennent l'ombre, amarrés à un quai où l'on s'imagine encore voir rouler les tonneaux suintant les notes épicées et cuites des cépages locaux. Il est vraiment sale le bateau ? Oui. Oh là là. Vous savez, les écluses. Et la vitre, vas-y. Dans ces runes. Vous voyez comme ça devient propre ? C'est pas des vraies vacances alors ? Mais vous savez, les vacances, c'est ce qui change de l'ordinaire. Puis, voici un joli quai taillé dans le rocher, tout comme le lit du canal. Le village de Poy, dont la mairie, à gauche, contemple l'ouvrage, s'orne d'un beau pont 18e. Toujours sans écluse, le canal s'en va en serpentant sur le revers des collines. Il s'en forme à gauche une longue colline chichement recouverte d'une végétation basse et sèche, mais dont le sommet s'hérisse de cyprès. La montagne dans ses runes est son oppidum, haut lieu de la civilisation méditerranéenne. Là-haut, sur ce sommet tabulaire, s'établit au VIe siècle avant notre ère une ville antique qui compta jusqu'à 10 000 habitants. Juste au pied de l'oppidum dans ses runes, la voie d'eau bute contre le coteau du Malpas, au nom prédestiné. Malpas ou Mopas signifie « mauvais pas » en occitan. Voici donc ce fameux souterrain du Malpas, ce tunnel creusé dans une roche tendre,
sur laquelle étaient censés s'écraser brutalement les rêves des constructeurs du canal. Cette roche traître, où miroite l'eau brillante, porte le témoignage d'un des plus grands exploits réalisés par Riquet. Alors qu'il cherchait un moyen de surmonter cet obstacle, ses adversaires avaient lancé une cabale et réussi à faire croire à Colbert que le chantier échouait, que son conducteur était devenu fou et qu'il fallait l'arrêter. L'ordre d'interrompre les travaux partit de Paris, et quand il arriva, Riquet avait fait percer le Malpass au pas de charge. La légende affirme que 6 jours d'un travail de titan ont suffi pour faire tenir, par une maçonnerie rudimentaire, un tunnel de 161 mètres de long et 9 de haut et 7 de large. Après quelques virages de grimpette, il faut s'arrêter pour contempler cette étrange roue plate dont les cultures de la plaine en contrebas dessinent les rayons. Cet étonnant spectacle résulte de l'assèchement concentrique de l'ancien étang de Montady, encore une merveille des environs dans ces ruines. Après le Malpass et le village de Colombier, on ressent réellement l'effet des coupes sombres pratiquées par Colbert et les états du Languedoc dans le budget du canal. Comme au début du tracé, à la sortie de Toulouse, son gabarit se réduit. Fonsérane, une suite ininterrompue de 8 écluses sur une longueur totale de 312 mètres et une dénivellation de 25 mètres. Fonsérane exprime parfaitement cet audacieux mélange fonctionnel de démesure et de majesté si caractéristique du canal du Midi. Et ce n'est peut-être pas pour rien que Riquet a voulu planter ici cette démonstration technique, exhibant une puissance nouvelle face à sa ville natale. Car Fonsérane offre aussi un panorama sans équivalent sur la vieille ville de Béziers. Fermement encadrée par des cyprès l'assolant d'une haie d'honneur, la voie d'eau rectifie sa ligne pour longer Béziers, à la sous-préfecture de l'Hérault, dont les allées Paul Riquet, ornées d'une statue célébrant l'enfant du pays, invitent selon les moments à la flânerie, au défilé ou à la feria. La cathédrale Saint-Nazaire, forteresse beige coiffée d'un frêle campanile, s'impose au sommet de ce promontoire sur lequel est posée l'ancienne cité. Acropole, auraient dit les Grecs. Oppidum pour les Romains. Éminence étagée de vieux murs clairs dont la teinte s'assombrit, vire au gris, au noir, même lorsque l'on songe à ce mauvais jour de l'an 1209. Ce jour de disgrâce, où, soufflant un vent du nord, Simon de Montfort l'a martyrisé. Refroidi, pour éteindre sa lumière. Voici ce que le 19e siècle a peut-être laissé de plus prestigieux au canal du Midi, le pont-canal de l'Orbe. Inauguré en 1857, il représente la solution définitive à un des plus grands problèmes et une des plus grandes imperfections de l'œuvre de Riquet. La traversée en toute saison de cette rivière Sévenole, qui passe très rapidement de l'oued asséché au torrent furieux. En contrebas s'ouvre le port neuf de Béziers, qui a succédé au siècle dernier à celui qui était installé près de l'écluse de Notre-Dame, dans l'ancien bras aujourd'hui déclassé. Vous venez d'où, vous ? Nous, on vient de Belgique. On a fait les canaux de France pour arriver à Lyon, puis on a pris le Rhône, on est descendu jusqu'ici, pour le beau temps. L'extrémité aval du bassin portuaire est proche de Soclières, l'ancien stade mythique des rugbyman de l'AS Béziers. Contournant la ville, le canal s'enfuit sous les platanes. La voie d'eau s'ennuie un peu dans ce pays où la terre ne pense plus qu'à mélanger son horizon à celui de la mer. Peu d'écluses, peu de villages, jusqu'à Port-Iragne.
Le canal du Midi traverse une passe difficile qui a donné lieu à un ouvrage unique. La voie d'eau croise le Libron, un fleuve côtier qui, bien que souvent asséché, connaît des crues dévastatrices. En bateau, on ne se rend pas compte de grand-chose. En revanche, la machinerie inventée en 1858 offre un spectacle étonnant sur les passerelles de pierre qu'enjambent prudemment le chemin de halage. Sorte de mécano géant. Dans les roseaux, voici le pont des Trois Yeux. Trois yeux, comme ces trois arches inégales, cerclées de pierres volcaniques, qui percent depuis les années 1680 cette façade en dos d'âne. L'arche centrale, la plus haute, a évidemment vocation marinière. Celle de droite permet le passage du chemin de halage, pavé de basalte pour l'occasion. Enfin, l'utilité de l'arche de gauche, envahie par les roseaux, reste un mystère. Enfin apparaît le port d'Agde. Sur le quai est établie une des plus belles recettes du canal du Midi, baptisée Hôtel Riquet. Derrière un pont moderne se cache ce qui fut une merveille technique et esthétique du canal du Midi, l'écluse ronde d'Agde. Pourquoi une écluse ronde? Tout simplement pour qu'elle serve de plaque tournante entre trois directions différentes. Il s'agissait, depuis le canal, de desservir deux niveaux différents du fleuve Hérault tout proche. Puis le canal traverse l'Hérault pour s'enfuir vers sa dernière écluse, celle du Bagnas, qui porte le nom de l'étang voisin, aujourd'hui réserve ornithologique. Dans ce désert humide, seuls les oiseaux trouvent leur compte. Il ne reste plus alors qu'à longer les anciennes salines du Bagnas pour déboucher 3 km plus loin au pont des Anglousses. Là, pour la dernière ligne droite, le canal semble coincé entre deux étendues d'eau peuplées de flamants roses et des puissantes senteurs marines qui débordent les tamaris. La fin du canal du Midi est à deux pas. Il faut d'abord passer devant ce qui fut le port des Anglousses, devant de basses et longues façades crème, percées de pierres anthracites, qui accueillent désormais l'école de voile des Glénans. Au bout de cette jetée de basalte disjoint, ce petit phare rouge et blanc marque l'extrémité des Anglousses et du rêve de Riquet. Derrière, 240 km de souvenirs approchent de Toulouse et du bassin de l'Embouchure. Devant s'ouvre l'étang de Thau où le marin, voguant désormais sur l'eau saumâtre, rejoindra Sète, dont on devine le Mont-Saint-Clair. Sète, premier port de pêche de la Méditerranée, patrie de Paul Valéry et de Georges Brassens. C'est une ville qui n'a à peine 300 ans, donc on peut dire qu'elle n'a pas de passé glorieux, et c'est ce qui nous sauve peut-être des villes comme Montpellier ou Béziers. On a fait appel à des gens qui sont venus de tous les coins, du sud de la France, et maintenant on peut dire qu'on est mélangé avec les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Maghrébins, les Yougoslaves, et même on a été port suisse à une époque, vous voyez. C'était les fameux pointus, hein, regarde. Et sur ce pointu, il mettait une petite latine. On peut dire qu'on a pêché de cette façon et on a voyagé de cette façon pendant des siècles. Voilà, et après, plus tard, est venu le moteur qui était au centre, avec un arbre, et lui, c'était ici. On peut dire que ça, c'est vraiment le bateau de l'étang de Thau, mais c'était le bateau qui était sur l'étang de Bages, c'était le bateau qui était
sur l'étang de Berre. Mais pour allier la mer, le canal du Midi a aussi ses raccourcis, des divergences et ses digressions. Ainsi, l'échappée Belle, entrevue tout à l'heure à côté du Somail, le canal de jonction qui file directement vers Port-la-Nouvelle. Cet ouvrage d'une somptueuse régularité classique, réclamé à corps et à cri par Narbonne, a été creusé à la fin du XVIIIe siècle. Glissant sous l'odeur chaude des pins parasols, il frôle Amphoralis, le musée des potiers romains, ouvert sur un des plus remarquables sites archéologiques de Languedoc. Au cours de l'été 1997, une équipe d'archéologues et de bénévoles a choisi de faire revivre une partie de ce passé glorieux, en reconstituant de toutes pièces un four gallo-romain. Mieux encore, une cuisson de vases et de vaisselle d'époque fut accomplie avec succès. Il s'agissait là d'une première mondiale. Voici Salel d'Aude, dont le port a été creusé de toutes pièces par le grand architecte Gary Puy, un des génies méconnus du canal. Au bout d'une majestueuse allée de platanes, Gary Puy a aussi édifié un des plus beaux ensembles du canal, l'écluse de Gaiusti et sa pierre blonde qui renvoie l'image vibrante des temples romains. Gaiusti est à la fois une porte et une muraille. Une porte sur l'Aude, en même temps qu'une défense contre ce fleuve cyclotimique qu'il s'agit maintenant de traverser pour gagner la Robine et descendre vers Narbonne. Les bateaux s'offrent alors une balade dans le courant, laissant sur leur bord une chaussée où les gamins des environs vont parfois pêcher la lauze. Et déjà, voici le pendant de Gaiusti, l'écluse de Moussoulins, qui ne cache pas son rôle de fortification. Ces remparts connaissent tout des colères de l'Aude. Derrière leur lourde porte s'ouvre cette robine, creusée dans ce qui fut, il y a plus d'un millénaire, un des bras du fleuve. Narbonne, l'ancienne colonie romaine, n'est plus très loin, à quelques kilomètres seulement de l'écluse du Roanel, où se croisent les touristes du monde entier. Parmi eux, certains, partis de Narbonne, effectuent leur première heure de pilotage. La première heure, c'est toujours la plus difficile. Ah ben oui. Pourquoi ? Parce qu'il débute, c'est comme la première heure de conduite en voiture. Hein. C'est pas du tout les mêmes manipulations qu'un volant d'automobile. Hein. Il faut faire attention, c'est très sensible une barre à roue de bateau et au début on fait un peu n'importe quoi et puis au bout de quelques temps on apprend. Reculez le bateau. Merci. Narbonne s'annonce enfin par l'imposante architecture de sa cathédrale gothique. Passé l'écluse des moulins du Gard, qui marque l'entrée dans la ville, les ponts mélangent leur style et leur époque. «
Après l'écluse de Narbonne, située en plein centre-ville, la Robine frôle l'ancien archevêché juste avant de s'engager sous l'arche sombre du pont des Marchands, vestige de l'immense pont romain, détruit puis reconstruit au Moyen Âge, juché d'immeubles et de commerces. L'ancienne capitale de la province romaine de Narbonnaise mérite le détour. L'imposant palais des archevêques et la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur forment un ensemble monumental parmi les plus grands de France. Si la majorité des monuments d'époque romaine ont disparu, les vestiges qui témoignent du prestigieux passé de la ville ne manquent pas. L'Oréum, bien sûr, mais aussi la maison à portique du Clos de la Lombarde et ses magnifiques peintures murales, les plus belles après celles de Pompéi. Sans oublier la voie domitienne, dont un tronçon a été découvert en 1997 sous la place de l'Hôtel de Ville. Accostées près des barques, ces allées animées, symbole de l'opulence narbonnaise du début du XXe siècle, le bateau de l'Abeille fait souvent escale à Narbonne. C'est la dernière péniche à voir la classification commerce, transport de marchandises à passer sur le canal du Midi. Voilà. Il reste quatre bateaux qui travaillent sur une partie du latéral, entre Bordeaux et Agen, grosso modo. Mais c'est vrai que nous sommes le dernier bateau avec une classification transport de marchandises à travailler sur le canal du Midi. Et je vous assure qu'on trouve ça très dommage, non pas d'y être, mais d'en être les derniers. Le concept des ruches transportées par un bateau, c'est plus un rucher fixe qui se déplace. On conduit nos ruches comme si elles étaient fixes, elles ne bougent pas sur le bateau, et la mobilité du bateau les place comme si elles étaient dans une région extraordinairement mellifère où les miellets succèdent. Il est temps maintenant d'embarquer sur la Tramontane pour atteindre le but ultime de notre voyage. Direction Port-la-Nouvelle. À bord de cette péniche, les passagers peuvent admirer les quais aménagés de la Robine. Le canal quitte doucettement la ville en longeant les formes futuristes du théâtre. Certains jours, on peut entendre au loin les clameurs des spectateurs du stade de l'Amitié, réagissant aux exploits de leur fameuse équipe de rugby. Ah oui, là ça va faire 10 ans que je travaille pour Serge Pajot sur ce tronçon. Et pratiquement en 6 mois, tous les jours, de montée ou de descente, je fais ce trajet qui dure 4 heures entre Port-la-Nouvelle et Narbonne. Alors qu'est-ce qu'on voit depuis Narbonne jusqu'à la Port-la-Nouvelle au niveau du paysage? Du paysage, bon là on voit des vignes en descendant. Là c'est marrant là parce que tout à côté jusqu'à le bief il fait 7 km, on voit bon, des arbres, les vignes. Là, comme là maintenant, ils viennent de faire une piste cyclable. Et juste après l'écluse de Mandirac, là, le paysage, il change. On rentre dans les étangs. Alors là, on voit, bon, ce qui cache un peu, c'est la voie ferrée. Mais autrement, on trouve dans un univers remarquable. À gauche, derrière l'étang de l'Hérole, une montagne impose sa masse bleue, la Clape, qui fut une île lorsque, ici, on parlait latin. Dissimulé derrière ce massif gruissant, le village de pêcheurs est tout proche. À quelques centaines de mètres de la tour Barberousse, voici la célèbre plage des Chalets, où, paraît-il, le thermomètre joue parfois 37 degrés 2 le matin. Insensiblement, la Robine poursuit sa route. Désormais, l'arbre rare se bat et ne triomphe qu'en se couchant. À l'horizon se dessine enfin l'île de Sainte-Lucie, paradis zoologique. Puis sur le bord de la Robine, comme un message du monde habité, apparaît sous la pinède la maison des étangs. Les enfants des écoles viennent y apprendre à appeler un chien, et plus vraisemblablement un oiseau ou une plante de son nom. Nous sommes à Sainte-Lucie, mais j'aurais tendance à dire que nous sommes aussi ailleurs. Ici, c'est vraiment un ailleurs. Nous sommes à une heure de marche de Port-la-Nouvelle, à une heure et demie de marche de Mandirac. Nous ne sommes raccordés ni au réseau d'eau ni au réseau d'électricité. On est environné par
les cigales, par des bruits d'eau, par une faune très très riche. Et on vit vraiment au cœur d'un patrimoine exceptionnel, un patrimoine historique, un patrimoine paysager, un patrimoine naturel. Après cette pause pittoresque, la Tramontane reprend son périple vers la mer. Au sortir d'un virage, se dévoile la dernière écluse, celle de Sainte-Lucie. Or, la Nouvelle marque la fin de la voie d'eau. Le port se prolonge sur plus d'un kilomètre. Des monstres de métal, bateaux aux entrailles béantes, se préparent à ingérer des millions de quintaux de céréales, déversés autrefois des péniches qui débouchaient de la Robine. Aujourd'hui, des trains infinis ont pris le relais de la batellerie. Clin d'œil du large, en ce port de bout de Robine, les cargos battent souvent pavillon panaméen. Mais pour aller tout au bout de notre voyage, pour éprouver la certitude rassérénante qu'il pourrait continuer encore, il faut marcher le long d'une jetée étoilée de béton, jusqu'à ce phare cerclé de rouge et de blanc, écho en plus costaud de celui des Anglous. À ce moment, plus question d'étang. Le voyageur de la Robine vient tutoyer la mer. Une autre aventure s'offre à lui.